Bonjour tout le monde, c'est MadBob pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart 8. Donc vous vous demandez pourquoi il y a une nouvelle vidéo sur Mario Kart 8, c'est tout simplement parce que il y a un nouveau DLC, bien entendu, qui vient de sortir aujourd'hui. Donc le nouveau DLC que il y avait la coupe Crossing et je crois que c'était, il y en avait une autre. Je me souviens vraiment plus du nom. Bref, mais il y avait aussi offert gratuitement le 200cc. Que je vais pas faire tout de suite, parce que je vais me concentrer surtout pour voir comment que les courses sont faites en 150cc. Et par la suite, je vais me lancer dans le 200cc, peut-être dans une des coupes, juste pour voir un peu ce que ça donne. Donc, on va tout de suite se rendre dans le 150cc. Et il y a trois nouveaux personnages. Donc, il y a l'habitant, tout simplement le petit habitant. Il y a Marie, qui reste sympa comme perso. Et il y a Bozo Squelette. Et je vais prendre Bozo Squelette parce que je le trouve tellement classe, ce perso. Et pour ce DLC, on va s'amuser avec celui-ci. Là, juste voir quelques changements. Il y a une roue feuille. Ok. Je sais pas ce que c'est de plus. Je pense que c'est la seule qu'il y a de plus. Ouais. Et dans les bolides, ce qu'il y a de plus, on va regarder vite fait. Non, le carton key, il l'avait déjà. Donc, il y a le Coléocar, qui est une voiture. Et il y a la Magikar. J'avoue elle est classe quand même. Hein. Je pense que ça peut être une... Ouais, je la trouve vraiment classe, celle-là. Hein. Bref, il y a quoi d'autre? Je pense que c'est le coup... Oui, le scooter de Animal Crossing. Et après, il y a la... Ouh! Tricyclops! Waouh! Stylé, hein, quand même. Mais c'est une moto, j'aime pas. Bon, on va tout de suite prendre celle-ci. Et on va prendre... on va y aller avec... Allez, avec feuille. Et elle en papier. On va prendre elle en papier parce que je le trouve quand même cool. Et j'ai même pas encore tout, toutes les parties de véhicule, je viens juste d'en marquer. Mais bon, c'est pas extrêmement grave de toute façon. Donc bon. Donc deux nouvelles coupes, c'est la coupe Crossing et la coupe Clochette. On va tout de suite commencer par la coupe Crossing. Donc le parc Bibi de la GameCube, pays fromage que de la GBA que je connais pas trop. Il y a Passage Feuillage et Animal Crossing. Et dans le Animal Crossing, il y a un petit truc. Je vous en parlerai rendu là. Je vais pas vous spoiler, je vais garder tout ça en secret. De toute façon, désolé pour le manque de vidéos depuis un certain temps. J'ai retombé enrhumé. Sérieusement, ça me saoule vraiment. Le genre de truc, j'étais fini de plus être enrhumé et ça recommence encore une fois. Je sais pas trop pourquoi et ça commence vraiment à me saouler. C'est peut-être le changement de température ici au Québec. Mais bon. Pas si grave. Ok, c'est déjà de l'antigravité en ce moment. Ok. Ah, ils ont gardé le 1 de faire 6, pas 6, mais 7 tours. C'est exactement la même chose que dans Anarchic, comme sur la GameCube. Je sais, cette course, en plus, je l'adorais tellement. Je trouvais c'est tellement classe comme idée. Juste de tourner en rond comme un con tout le long de la course. Et genre que tu lançais tout sur... Ah putain, tu lançais tout sur n'importe qui pendant tout le long de la course. Et tu essayais juste de tout lancer et d'essayer de finir la course. C'était génial cette course. Et on va essayer de se concentrer quand même, puisque la maniabilité de Bowser Skelet est un peu bizarre au début. Juste s'y habituer un peu. Ah ouais, j'avoue qu'en 200cc, quand tu y penses, cette course, ça doit être tellement anarchique. Genre, je suis sûr et certain que tu sais même plus ce que tu fais, quoi. T'es juste en train de tourner en rond, mais t'as aucune idée de ce que tu fais. Ah ouais, déjà la carapace bleue. Pas me faire toucher. T'as explosé ou non? Ah ouais, elle a explosé, mais là-bas. Je suis 6ème. C'est tellement mal barré en ce moment. Ouais. Mais j'avoue que le Bowser squelette, il est cool de dos. Hein. Non mais sérieux. Laissez-moi juste prendre un item. Voilà, merci. J'ai essayé de tourner, mais ça n'a pas trop fonctionné. Ok, c'est bientôt le dernier tour. Il va falloir peut-être que je remonte assez rapidement cette course. On va essayer. Le tour. Putain, mais s'il te plaît! La carapace verte qui sort de nulle part. Attendez, on va essayer de remonter cette course. Digne des plus grands champions, peut-être. 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 Ben non, 5ème. Je pense que cette course est trop difficile à faire dans le premier. C'est un truc de fou. J'imagine même pas en 200cc. Hein. Bref. MadBob fait de la merde en partant. Oui, oui, c'est exactement ça. Mais bon, c'est pas si grave. Mais bon, quand même, on a fini 5ème et je suis un bon joueur et je vais garder cette position. Deuxième course,
Pays Fromage, ça me dit strictement rien cette course. Vu que j'ai vraiment pas trop joué à la version GBA. Ou tout simplement quasi jamais joué. Je crois que les seuls moments que j'ai joué à la version GBA, c'est quand il y avait un de mes amis qui me passait le jeu. Mais sinon, jamais joué. Et la course, elle semble quand même assez grande. Partie comme elle est partie. Parce que si elle était pas partie, elle serait pas partie. Hein. On dirait même pas du fromage, on dirait plus genre. Oh non, ok, oui, on dirait vraiment du fromage. En plus, il y a des petits trous. On peut sauter dans les petits trous et je pense que ça peut sûrement me donner des mini boosts. Ouais, voilà. Ah ouais! Quand même, hein. J'avoue que les mini trous, ça peut quand même aider, mais ça peut vraiment nous nuire aussi en même temps. Surtout quand on a un bolide qui est pas très très. Ou un personnage qui est pas très très. Porté sur le dérapage. C'est pas la meilleure chose. Il se chante, il est tellement mais mal placé. De fou. Oula, 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 oula. Ouais, j'aime vraiment pas. J'ai pris peut-être un bolide un peu trop rapide pour les genres de courses en ce moment, parce que j'ai aucune maniabilité. Mais bon, je m'en vais tellement vite. Mais à date, les courses m'aident tellement pas pour ce genre de truc. Bref. On va quand même essayer de montrer nos. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille 2 secondes. Tout ce que je demande. Oui, hein, la chance que notre baba. C'est tellement génial. Ok, on va essayer de remonter tranquillement, pas vite. On va y arriver, hein. Moi je suis sûr et certain qu'on pourra y arriver. Enfin, on va essayer de passer comme ça. Oh là, trickshot Call of Duty. On peut pas couper comme ça. Je pensais que si, mais il semble que non. Donc on va abandonner le projet. Ah, ici un shotgun, je viens juste devant. Ah oui, je viens de voir. En gros, sur le côté, on peut faire un saut comme qu'est-ce qu'il vient juste de faire. Merde, la banane que j'ai pas vue. Ça, j'avoue que dedans ce stage, bah, cette course, pour les bananes, là, sérieusement, on les voit quasi, mais quasi même pas. Quasi même pas, pas. Ça dit tellement pas ce que je dis. Quasi même pas, pas. Quasi même pas, voilà. Je sais plus comment parler la France. Parce que j'ai déjà appris à parler la France. C'est pas question, mais bon. Ok, concentration. Troisième position, c'est quand même pas si mal. On peut remonter très facilement. Avec une... Oh, 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 non, 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 non. Oh là. J'ai même pas vu, elle est partie par où, la carabasse bleue, hein. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose dans son dos, je vois pas. Non, je crois que j'ai rien. Merde, j'ai essayé de le snipe. Je l'ai manqué. Allez, on réessaye. Non, je lui ai manqué encore. Oh la balle, non! J'étais sûr qu'elle allait la prendre. No. Oh oui, 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 oui. Oh, ok, deuxième. Non! Non! Sérieux? Ça me frustre. Ça me frustre. Vraiment beaucoup. Okay, je suis juste en quatrième position. Faut vraiment que je remonte assez rapidement. Puisque là, sinon, je finirai pas premier. Et là, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Ce serait certain. Non, mais la carapace rouge à la fin, quoi. Non, mais allô, quoi. Nabila, Nabila, je suis fou de toi. Ok, je vais arrêter. Chut, pas calme. Ça me frustre. Mais bon, c'est Mario Kart, que voulez-vous. Donc, passage feuillage. Donc, ça, c'est une nouvelle course. T'as encore des chagailles qui sont en train de se faire promener, je sais pas trop où. La date, la course, je la trouve très jolie. Du moins, pas de qu'est-ce qu'on a vu. Et c'est parti. C'est rare quand même le début de course qu'on est déjà en anti-gravité. J'essaie juste de me trouver vers où il faut aller. Ok, donc il y a 2 chemins. Le chemin de droite, le chemin de gauche. Peut-être le chemin de gauche à la... Oh là, un peu plus vite. Donc, pas grand-chose. Une partie en delta plane. Et ça, c'est ce que je reprochais beaucoup, ou il me semble, si je ne me trompe pas, que je trouvais que dans les dans le dernier DLC, il y avait beaucoup de circuits qui ne prêtent pas le delta plane. Là, il y en a beaucoup qui l'offrent dans cette course, ça doit être ce que je remarque. Donc bon, c'est une bonne chose, hein, peut-être que Nintendo m'a entendu. En fait, oh oui, ma dot, t'es trop un génie, t'as trop des bonnes idées. Bah oui, je crois que c'est ça. Hein. Donc, je déconne, c'est souvent pas ça. Attendez, on va aller à gauche. Regardez, parce que on sent la partie de gauche avec le bloops, bien entendu, hein, juste pour bien nous niquer notre vie. Et être super. Oh merci Mario! Oh merci Mario! Oh, qui m'a sauvé la vie! Oh, sérieusement, il m'a complètement sauvé la vie en me donnant un petit coup. En me donnant un petit coup.
La date, la course, je la trouve vraiment sympa, surtout avec le style bolide que j'ai, elle m'aide vraiment vachement. Pourquoi je suis premier, je vais faire attention. Vous pouvez m'expliquer la logique, please, si je la comprends pas. Non, je t'en plaigne non plus. Mais comme je vous dis, à date, cette course, je la trouve beaucoup plus sympa dans le style que côté vitesse. Pour un bolide de vitesse, c'est vraiment vachement à son avantage. Et je pense que le chemin de gauche est plus rapide au début pour prendre des pièces et par la suite le chemin de droite est plus rapide. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Ou c'est peut-être juste moi qui ai des idées sur de l'ordinaire, mais bon, je pense que c'est un petit peu dans ce sens que ça fonctionne. Et ici, il faut juste tout simplement prendre... Ah ok, on peut prendre les trois. Les trois, il y en a trois qui sont en ligne, bien placés. Et sinon, le minimum qu'on peut prendre, c'est deux pour être aussi bien. Mais bon, cette course, je la trouve sympa. Elle sort pas méga non plus de l'ordinaire, mais bon, elle reste quand même assez sympa. Et là, je pense que ça va être la dernière course qui va définir nos positions. Et je pense que la dernière course, c'est la course Animal Crossing. Exactement. Donc, cette course Animal Crossing, ce que je voulais expliquer, c'est qu'il y a plusieurs... interprétation, je pourrais dire de cette façon, parce que vous savez que dans Animal Crossing, il y a les saisons. Et dans cette course, ce que j'ai compris, il y a différentes saisons. Il y a l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Donc, je pense qu'il y a certains éléments du décor, ou peut-être la musique aussi qui change, mais je sais que... Je sais pas s'il y a certains éléments de course qui changent. Ça, c'est une question que je me pose. Et le début me fait grandement penser à la... Prairie Meumeu dans... dans la N64. Juste le petit début avec le petit pont, hein. C'est tout, hein. Pas rien d'autre. Donc là, vous pouvez voir des petits éléments d'Animal Crossing avec les ballons, bien entendu. Donc il garde quand même des éléments, et ça, je trouve ça... Ah, il y a les coquillages aussi. Juste de voir les coquillages. Ah, il y a Tom Nook ici. Bonjour Tom Nook. Ah, il y a Résidu aussi. C'est sympa, juste les petits clins d'œil qu'ils font. Ah aussi, c'est des clochettes, je viens juste de voir. Ouais, j'ai même pas porté attention. Vous voyez, en bas à gauche, c'est des clochettes, c'est même pas des pièces. Est-ce que c'est des pièces? Oui, c'est des pièces, mais c'est des clochettes en bas. Ah, il aurait pu faire les formes des clochettes, ça aurait été sympa. Au lieu des pièces comme des rubis dans... la bombe. Il aurait pu faire, comme je vous dis, les rubis dans Zelda. Vous voyez, en fait, juste l'icône en bas à gauche, c'est des clochettes. Mais pas les pièces, pas des clochettes. Là, je suis un peu triste, hein. Il aurait pu faire ce petit détail, mais bon. C'est pas extrêmement grave non plus, je vais pas commencer à dire ouais, ouais, ok Nintendo, faites de la merde. Non, 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 mais. De toute façon, le DLC est merde. Le DLC est très honnête pour le prix, ça faut pas se le cacher. Ah merde, la plante piranha, ça je peux pas lancer le. Je peux rien lancer dessus. Je vais essayer de la stopper, faut juste que je me tienne assez loin. Voilà. Donc, aussi, il y a les petits arbres ici avec les fruits, je vais juste de porter attention. Donc, il y a vraiment les petits détails de Animal Crossing. Bien présents, ils sont bien sympas. Et côté musique, je porte pas vraiment attention. Parce que... Ah merde, non, 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 casse-toi, stupide. Ah oui, c'est peut-être frappé dedans, ça c'est parfait. Ok, mais faut quand même que je finisse premier. J'ai oublié ce détail. Oh merde, oh merde. Ok, concentration. Concentration pour la fin. Hein. Faut que je finisse en avant de Tanuki Mario. Il faut que je finisse en avant de Mario, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, oh oui, 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 oui. Les petits sauts. Ah oui, je pense que je finis premier parce que Mario Tanuki est troisième. Je crois que c'est réussi, hein. C'est dans la boîte. Et voilà, mesdames et messieurs, les trois qui sont en plus à 45. Et j'ai réussi à remonter avec un classement de merde en plus au début. Mais bon, c'est bien ça. Je suis très heureux de ma performance. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que j'expliquais vite fait, c'est que... Je pense que vous avez compris avec les saisons. Je sais pas trop, il faudrait que je regarde plus attentivement. Si je le fais de mon côté pour voir ce que ça donne. Mais bon. Pour le moment, la coupe. Elle est crossing, j'allais dire la coupe Animal Crossing, mais bon, c'est la coupe crossing. Réussi. Par Mad Bob, le plus grand des génies. Mad Bob, le plus grand des génies. Ah oui, c'est vrai, on peut tourner le trophée. Allez, on tourne, on tourne, on tourne, juste voir la petite coupe. Qui a rien d'original. C'est pas grave. Donc. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, et là pour la prochaine, qui arrivera sûrement le lendemain, sera la coupe clochette.
que je vais faire exactement maintenant, mais vous allez pas l'avoir exactement maintenant. Donc merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce vert, c'est toujours aussi sympa, et un petit commentaire que je pourrais y répondre. Merci tout le monde et à la prochaine.